Moi maintenant je me prends même plus la tête, alors c'est un truc d'ancien de faire ça, tu vois, mais moi je commande que sur eBay en fait. Toutes les pièces pour les bagnoles, je vais les commander sur eBay. Déjà parce que t'as de l'origine, et de deux parce que vraiment tu vas tout trouver. Et au moins tu te casses pas les couilles, créer un compte, mettez votre numéro, faire je sais pas quoi, frérot. Non. Et jamais été. Alors c'est long eBay, hein. Genre des vrais trucs de con. Alors dites-vous, il y a des trucs que j'ai commandés vraiment littéralement. Pour mon Gembala qui est dehors là, pour mon Cayenne, je les ai reçus genre hier, tu vois. Mais c'est vraiment long, ça fait chier. Mais après, bref, moi je commande que là-dessus. Et pour le X5, frérot, je vais le mettre quand même, je vais lui faire une révision. Parce que je vais lui faire une révision parce que tu vois, vous voyez ce que c'est le pour quand, enfin, le vrai utilisateur BMW sait ce que c'est que le Carly, tu vois. Carly, ils m'ont contacté pour que je leur fasse un partenariat, tu vois. Donc, bon, je connais ça, c'est vieux comme le monde, surtout pour BM, donc j'ai dit oui, tu vois. Je suis en train de faire la promo dans ma voiture et je filme quand je branche le Carly qui fait un diag de la voiture, tu vois. La tête de ma mère, frère. Mais je crois que je vais la mettre comme ça, la vidéo. Je vois, il y a écrit quoi? Voiture en ex. Attends, c'était. Comment c'est. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, très mauvais état, frérot. Il y avait 19 problèmes sur la voiture. Bon, je parlais tout seul. C'est pas grave, vous verrez, je vais la faire passer comme ça, la pub, tu vois. C'est marrant, au contraire. Et bref, donc du coup, les défauts. Alors, les défauts sur le X5. Déjà, j'avais le voyant du FAP. Donc, voyant moteur, c'est ça qui a un peu foutu le bordel dans le diagnostic. Mais en vrai, là, c'est réglé puisque on a refait une gestion en stage 2 sur la voiture. Donc, c'est fini. Après, j'ai un problème de limitateur de vitesse. Et l'autre truc, c'était. En fait, non, c'était que ça. Le LIM, là, tu sais, limitateur de vitesse. Donc, ça, bref, c'est une merde qu'on va faire. Mais par contre, il faut que je fasse une vidange sur la voiture. Et je vais changer mes plaquettes aussi. Parce que. Voilà. Et j'ai commandé aussi mes pneus. La tête de ma mère, frérot. À cause de vos conneries, là, à me chambrer comme ça, frérot. Ouais, tu mets des pneus Lansdale. Là, j'ai commandé du pneu, frère. Quand j'ai payé, je parlais tout seul. Franchement, je suis content, hein, du X5. Hein. Ça marche vraiment très fort. Et puis même là, je suis en train de me réchauffer quand même. J'aimerais bien prendre un M3, tu vois. Mais pas E46. Pas E46, frérot. Pas F80. Je sais pas, je suis en train de voir. J'aimerais bien un petit M3, mettre ça en boîte méca, tu vois. Je suis en train de voir un peu comme ça, zigzag, frérot. Sinon c'est à peu près le tout, hein, sur mes voitures. Bah, le Cayenne beige, le Cayenne noir, je le récupère demain, frère, enfin. Bah, enfin, t'as compris, hein, c'est pas évidemment, c'est pas méchamment dit, tu vois. C'est vu le travail qu'il y avait à faire. Et j'ai posé le Cayenne beige chez Kevin là pour le deuxième joint de culasse, la tête de ma mère, frère. Ça veut dire que je suis vraiment baisé avec cette voiture. C'est-à-dire, même imagine, tu vois, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais la lourder, frérot. Je peux pas faire un truc comme ça. Tout le monde sait que c'est ma caisse. Donc ils vont venir devant chez moi avec des pics, les gens. Du coup, faut que je me tape les rebelles. Stop, stop. Ça y est, frérot, ça y est. Vous battez pas comme ça tout le temps. C'est énervant. Donc du coup, je suis obligé de faire les réparations. Après, je pense que je vais la garder parce que quand tu regardes, vraiment, j'y ai mis. Bon, au moins, ce qui est bien avec mes chiens, c'est qu'ils sont pas à l'étroit. Ça, c'est clair. Ouais, je vais la garder. J'ai mis tellement d'oseille. En vrai, je voulais que je vous dise un truc de vrai con. Si je devais vendre un de mes Cayennes maintenant, pas le Gembala. Arrête, comment ça s'appelle? Bouteille! Ferme-la. Oh non, Meskine, elle est tombée. Ah non, tu t'es HM devant les gens, non. Oh, bouteille. Oh non, Meskine, bouteille. Arrête de gueuler, bouteille. Ah, on a des voisins. Ah. Je vous disais, j'ai fait le calcul et c'est vraiment ridicule. Mais c'est le mot, hein. Là on n'est même pas dans la passion, dans l'émotion, on est dans le ridicule. J'ai fait le calcul, si par exemple je devais vendre un de mes Cayennes, sauf le Gembala, parce que le Gembala ça c'est pas du tout le même prix, hein, vous avez compris, bah en fait personne ne me l'achèterait, parce que ça reviendrait à payer un Cayenne Turbo de 2003 à 30 000 euros. Ça n'existe pas sur le bon coin. Enfin, si, il y en a un, mais c'est un rêveur. Je sais pas ce que vous avez ce soir à vous battre. Ah là, ils se battent vraiment. Là, vous vous battez vraiment. Vous vous battez vraiment. Vous vous battez vraiment. Là, c'est pas on joue. Ça y est. Ça y est, ça y est. Viens, viens, viens là, viens là. Viens. Viens, stop. Ça y est. Là, vous vous battiez vraiment. Je l'ai entendu. J'ai entendu le grognement. Ça c'est pas on joue pas là. Là, on joue pas.
Ah, on joue pas. Alors, regarde. Ah, ils se battent vraiment. Là, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça y est, ça y est. C'est bon ? On se calme ? Ouais, c'est ça. Des amorces en baillant, toi. Ça y est, on se calme ? Bah, toi, mon gros, hein, c'est pas toi, hein, on sait ça. Hein, Lolo ? Ça y est ? On se calme ? Je vous disais, déjà, je trouve ça ridicule. En fait, j'aurais jamais. Enfin, c'est pas que j'aurais dû le faire peut-être sur un. J'aurais même dû d'ailleurs. En fait, alors non, en fait non, non, je vais pas non plus me mettre une balle dans le pied en disant ça. Le Cayenne Gembala, c'est tellement rare, c'est tellement beau que moi je regrette pas du tout. Il mérite vraiment tout ce que j'ai fait dessus et tout ça. Ça, je suis pas déçu. Le Cayenne noir, le Cayenne Turbo noir, ça j'étais vraiment obligé d'en trouver un pour faire un passage dans une vidéo qui est très importante, qui sortira un jour ou l'autre, mais j'en avais absolument besoin. Maintenant, je l'ai refait pépite parce que je suis un abruti, alors que j'aurais très bien pu faire ma scène avec le joint de culasse, après ça dégage, tu vois. Mais je suis allé jusqu'au bout. Donc ça, je suis pas non plus vraiment déçu, je suis pas deg, parce que je sais que en vrai, la voiture, à un moment donné, sera mythique, vu qu'elle sera passée dans cette vidéo-là. La voiture sera vraiment mythique, tu vois, et je serais vraiment con de le vendre. Par contre, le petit Cayenne beige, même si c'est mon préféré, ça me casse les couilles. Parce que j'ai payé des sommes astronomiques pour cette merde. Même si c'est mon préféré, hein. Et ça me fout d'autant plus le seum que j'y ai passé du temps en moi-même, ça veut dire... Ok, c'est vrai, quand tu payes un prestataire qui fait ce que tu lui demandes, c'est une chose. Mais quand toi-même, tu t'es sué sur cette caisse, c'est chiant, tu vois. Donc oui, ça, c'est une connerie. Après, bon, nique. Allez, ça recommence, frérot. Ce soir, c'est la pleine lune. Ça va, mon gros bibi ? Bah, toi, t'es un bon, hein. Ah, mon bibi ?